Salut tout le monde, c'est Raptor, on se retrouve aujourd'hui dans Minecraft pour un tuto qui portera sur comment faire des chars ou des tanks semblables à celui-ci. Voilà. Donc pour ce tank, j'ai utilisé des blocs de fer, mais après vous pouvez très bien utiliser du grès. Moi j'aime bien faire des tanks en grès aussi, c'est assez joli. Mais aujourd'hui dans ce tuto, je vais le faire en bloc de fer. Donc on va commencer ce petit tuto. Donc tout d'abord, vous prenez des blocs de laine blanche et noir pour faire les chenilles et vous les disposez au sol. Donc vous faites 9 de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, entre les deux chenilles, vous allez laisser 3 carrés d'écart. Donc 1, 2, 3, tac. Et vous refaites la même opération. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre vos blocs. Donc moi là, je vais prendre les blocs de fer. Et vous allez remplir le sol entre les deux chenilles. Comme ceci. Donc vous obtenez ça. Une fois terminé, vous reprenez vos blocs de fer et vous faites le tour sur votre char comme ceci. Et vous obtenez ça. Ensuite, vous allez au bout de votre petit tank et vous faites une diagonale comme ceci et vous répétez encore une autre fois. Attendez, comment j'ai fait ? Oui, une autre fois la même opération. Comme ça. Vous remplissez sur le côté en dessous des deux diagonales que vous venez de faire. Hop. Et vous remplissez pour faire le toit, comme ceci. Comme ça, voilà. Ensuite, vous allez, enfin ça c'est un petit détail, mais vous allez placer vos blocs de fer au sol pour faire une porte. Attendez, je vais dormir un peu puisque merde, fait pas encore nuit, dommage. Une fois que vous avez fait votre petit toit, vous allez continuer de garder vos, non, vous allez prendre de la laine de n'importe quelle couleur. Moi, je vais prendre de la laine rouge et vous allez faire un petit rectangle comme ceci. Attendez, je vais dormir. Putain, il fait pas encore nuit. Enfin. Donc comme j'étais en train de dire, vous allez prendre votre laine que vous allez disposer en rectangle. Et vous allez ensuite boucher les deux trous comme ça. Et creuser. Comme ça, on peut entrer à l'intérieur du char. Ici. Et vous allez faire juste à l'arrière de votre petit rectangle de laine. Un petit mur comme ceci. Ensuite, vous allez prendre alors des dalles en pierre, dalles de pierre, pardon, et vous faites 5 de longueur. 2, 3, 4, 5, merde, 5, voilà. Ensuite, vous allez prendre des barreaux de fer, pardon, que vous allez disposer comme ceci autour de votre char. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, vous allez faire deux trous, comme ceci. Vous allez placer une dalle de pierre ici et une autre ici. Et également une là. Vous allez prendre des trappes. Vous allez placer là où vous avez placé vos dalles de pierre. Comme ceci. Et vous obtenez rapidement ça. Ensuite, vous allez prendre des barrières en nether. Pour faire les antennes et vous allez les placer, vous faites la hauteur que vous voulez, mais moi je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez à l'intérieur de votre petit tank et vous allez faire une échelle ici pour qu'on puisse monter et descendre dans le char. Alors où est-ce que c'est là? Voilà. Ensuite, vous allez prendre des petits leviers. Vous allez les mettre ici, ouais, voilà, pour faire un peu le tableau de commande. Comme ceci. Et après, vous allez prendre des cadres et du verre pour faire les phares. Donc vous mettez deux cadres à l'arrière de votre tank et deux à l'avant, en dessous des dalles de pierre. Merde. Comme ceci.
et vous obtenez votre petit tank de combat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et sur ce, je vous quitte et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, salut tout le monde!